Rejoignez Tuzo et Tianet, le couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet, pour la prière. Quel est l'hôtel qui est dans ton village? Quel est cet hôtel qui crie après toi? Qui crie le célibat derrière toi? Qui crie la pauvreté comme Gédéon l'a dit? Que mon Dieu renverse ces hôtels. Que l'Éternel renverse l'hôtel dans la maison de ton père. L'hôtel dans la maison de ta mère. L'hôtel de célibat. L'hôtel de défaite. L'hôtel des éternels recommencements. L'hôtel de la pauvreté. L'hôtel de la mendicité. L'hôtel du manquement. L'hôtel de montée des champs. Au nom de Jésus, je détruis cet hôtel. Je renverse le pieu sacré. Qu'est-ce que cet hôtel? Je détruis cet hôtel au nom puissant de Jésus. Ces hôtels n'auront plus d'autorité sur toi. Tu es délivré de la puissance des hôtels maléfiques. Tu es libéré de la puissance des hôtels maléfiques. Dans le nom souverain de Jésus. Tu peux célébrer ta libération ce matin. Dans le nom de Jésus. Donc, Gédéon souffrait comme ça. Son père savait ce qu'il a fait. Parfois, dans votre famille, rien ne marche. Mais il y a un membre de ta famille qui sait où il est allé. Parfois, il y a les morts dans la famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé quelque part. On lui a dit d'aligner les noms des gens. Ce n'est pas des morts naturels. C'est un hôtel qui mange ces gens, qui tue ces gens. Est-ce qu'on peut prier? Lève-toi. Tends la main vers l'autel. Stretch your hand towards the altar. Hôtel contre hôtel. Altar against altar. Dieu a dit à Gédéon, quand tu renverses l'hôtel là, bâtis-moi maintenant un hôtel à la place où l'hôtel qui tuait ta famille a été dressé. Nous allons prier et nous allons bâtir un hôtel. Dis mon Père et mon Jésus, tout hôtel maléfique dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, qui est à l'origine de mes malheurs, je détruis cet hôtel. Et je renverse le pieu sacré. Je détruis cet hôtel. Par le feu, 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 ouvre la bouche et commence à prier. Open your mouth and begin to pray. Mon ami, prie avec autorité, prie avec autorité, prie. Let the fire from the altar touch my life. Hey! Prie avec âme, prie avec détermination. Let the fire from your altar touch my life. Let the fire from your altar touch my life. Let the fire in. Zamareta wa inareta morareta. Let the fire oh oh oh. Zable metalifa wa inna grosto. Let the fire in. Fire from your altar touch my life. Renverse cet hôtel. Paix tout hôtel maléfique dans ma vie, dans ma famille. Tout hôtel qui produit le malheur dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Hôtel, hôtel, je te renverse. 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 Hôtel, hôtel, je te détruis. Hôtel, hôtel, je te détruis. Hôtel, hôtel, je te renverse. Hôtel, hôtel, je te détruis. Hôtel, hôtel, je te renverse. Zamari wa inna promerada na salitao. Let the fire oh oh. Zamari wa inna promerada. Let the fire in.
Jésus, on a prié. Donnez à main comme quelqu'un qui est décidé à renverser ses autels. Regardez, frère, la vie est une bataille. Heureusement, Dieu est notre Dieu. Il nous révèle les choses cachées. Dieu dit à Gédéon qu'en fait, si tu veux devenir grand, ton père a caché quelque chose dans votre maison. Va dans tel endroit, tu vas trouver un hôtel, brise-le et renverse le pieu sacré. Parce que le pieu sacré là, c'est ça même qui fait la force de ce démon qui dévore les vies dans ta famille. C'est pour ça que vous êtes pauvres. Le père de Gédéon consciemment a vendu la vie de ses enfants. Il y a des hommes comme ça qui vendent une famille par esprit d'égocentrisme, parce qu'ils veulent l'argent. Ils sont prêts à vendre tout le monde. Nous allons prier. Si dans ta famille, il y a eu quelqu'un comme ça, même à l'époque de tes ancêtres, qui allait dire que les enfants de ta lignée, les enfants de ton arbre généalogique, qu'ils vendent jusqu'à 300 ans, la troisième génération, jusqu'à la quatrième génération, il dit qu'il a vendu leurs étoiles pour avoir l'autorité, ou avoir la gloire, ou avoir la richesse. Et que cette malédiction a transcendé tout ce temps et influence ta vie aujourd'hui. Nous allons prier. Que la malédiction de cette personne retourne sur sa lignée. Que ta famille soit épargnée. Que sa malédiction retourne dans sa lignée à elle. À lui. Mais ta famille sera épargnée. Dis mon Père et mon Jésus. Tout membre de ma famille. Quelle que soit l'époque. Qui a pris le nom de ma famille. Pour aller faire des pratiques. Pour sacrifier nos vies. Au nom de Jésus, sa malédiction retourne sur lui. Moi et ma famille, nous sommes affranchis. Je sors de cette malédiction. Ma maison sort de cette malédiction. Ma famille sort de cette malédiction. Attendez, Dieu dit à Madian que si tu veux, dis à Gédéon, si tu veux vaincre Madian, le problème ce n'est pas Madian. Le problème, ton plus grand ennemi, c'est l'autel qui crie contre toi. C'est cet autel qui donne la force à Madian. Si l'autel est renversé, Madian devient faible. Le problème n'est pas que tu es célibataire. Le problème n'est pas que tu es malade. Le problème n'est pas que tu n'arrives pas à avoir de visa. Le problème n'est pas que tu ne brilles pas. Le problème n'est pas que la pauvreté va te tuer. Non. Qu'est-ce qui cause cette pauvreté? Qu'est-ce qui a attiré Madian en Israël? C'est un hôtel caché. Nous allons prier. Dis mon Père et mon Jésus. Tout membre de ma famille qui a pratiqué les arts magiques, qui a bâti des hôtels cachés pour vendre la destinée de ma famille. Seigneur, ces malédictions et ces pratiques, retourne sur lui. Retourne sur lui. Retourne sur lui. Moi et ma maison, nous sortons de ces malédictions. Moi et ma maison, nous renversons cet hôtel. Ouvre la bouche, prie et prophétise. Que le feu de ton hôtel touche ma vie. Que le feu de ton hôtel touche ma vie. Que le feu de ton hôtel touche ma vie. Que le feu de ton hôtel touche ma vie. Innas prameras. Krishna uteta utemat. Touche ma vie.
quel effet de ton hôtel touche ma vie. Si le feu de cet hôtel touche ma vie, si le feu de cet hôtel touche ma vie, hey, alors ma vie sur cet hôtel sera changée. Samata Meratias. Alors ma vie sur cet hôtel sera élevé. Si le feu de cet hôtel touche ma vie, si le feu de cet hôtel touche ma vie, alors vie sur cet hôtel sera béni. Alors vie sur cet hôtel sera transformé. Au nom puissant et souverain de Jésus, on a prié. Ramata wa inna glasperazen, l'obremita inna frista ou delos manera. Dieu renverse l'autel de la maison de ton père et de ta mère. Au nom souverain de Jésus. Rejoignez Tuzo Éternel, le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekaner pour la prière.